23 octobre 1812, Paris. Alors que l'empereur est en Russie, à des milliers de kilomètres de la capitale, un homme, évadé d'une maison de santé, va lors de cette nuit fatidique tenter de renverser l'Empire. Avec l'aide de faux papiers et d'un fort pouvoir de persuasion, il va faire croire à la mort de Napoléon. Et le pire, c'est qu'il n'est pas passé loin de la réussite. Aujourd'hui, je reviens sur un épisode peu connu de l'histoire napoléonienne, la conspiration du général Mallet, lors de la folle nuit du 22 au 23 octobre 1812. Mais avant ça, si vous souhaitez vaincre vos ennemis comme l'a fait Napoléon, eh bien je vous conseille le jeu Conflict of Nations, qui sponsorise cette vidéo. Conflict of Nations, c'est un jeu gratuit de stratégie PVP disponible sur PC et mobile. Vous allez être propulsé à notre époque à la tête de la nation de votre choix, pour la mener à la victoire lors de la Troisième Guerre mondiale. Faites des alliances, attaquez vos voisins, développez votre armée et votre économie, et choisissez la bonne stratégie à adopter, en améliorant votre armée à l'aide d'un arbre de compétences pour débloquer des chars, des avions de chasse ou encore des sous-marins nucléaires. Aussi, un seul compte suffit pour jouer à la fois sur PC et mobile. Alors n'hésitez pas, rendez-vous en description pour télécharger le jeu gratuitement et avec mon lien obtenez 13 000 gold et un mois d'abonnement gratuit au jeu. Et en plus de ça, on a créé un serveur spécialement dédié à ceux qui verront cette vidéo. Alors bon jeu à tous, maintenant place à la vidéo. Claude-François Mallet, né le 28 juin 1754. Du coup, je vous laisse évacuer toutes les blagues qui vous viennent sur Claude-François en commentaire, voilà. Comme ça, on peut commencer. Issu d'une famille de la petite noblesse, il se tourne vers une carrière militaire à l'âge de 17 ans, en rejoignant les Mousquetaires du Roi sous Louis XV. Les Mousquetaires du Roi, c'est un corps chargé de la sécurité du roi. Il a été fondé par Louis XIII en 1622, puis dissous par Mazarin pendant la régence de Louis XIV. Et finalement ressuscité par ce dernier, une fois au pouvoir. Mais monté sur le trône en 1774, Louis XVI dissout à nouveau, un an après, les mousquetaires pour des raisons budgétaires. Et bon, vous connaissez la suite, en 1789, c'est le début de la Révolution française. Et Mallet, pourtant issu de la noblesse, va pencher du côté des républicains, en soutenant les jacobins ainsi qu'en s'engageant dans l'armée révolutionnaire. Il se lance aussi dans la politique. Il est élu député au Conseil des 500, sous le Directoire, mais son élection, comme celle de 105 autres députés, est invalidée, en raison d'un coup d'État le 11 mai 1798. Puis, tout bascule. Un jeune général, de retour d'une campagne en Égypte, un certain Napoléon Bonaparte, fait un coup d'État et renverse le Directoire le 10 novembre 1799. Napoléon devient premier consul à vie, et ça pour Mallet c'est insupportable. Républicain convaincu, il voit en lui le fossoyeur de la Révolution, un tyran qui s'apprête à détruire tout ce que la Révolution avait apporté. Et lorsque Napoléon décide de se faire sacrer empereur en 1804, il décide carrément de claquer la porte et de déposer sa démission. Démission qui lui sera refusée d'ailleurs. Il va voguer d'affectation en affectation jusqu'en Italie, qui avait été conquise par Napoléon lors de la campagne d'Italie, et où il devient gouverneur de Rome en 1805. C'est à ce poste qu'il se livre à différents trafics, et propage des idées républicaines. Bon, évidemment il se fait rapidement gauler, il est destitué et est emprisonné jusqu'en 1808. Là, Mallet, il l'a mauvaise, sa carrière militaire elle est fichue, et pour lui, tout est de la faute de Napoléon, si bien qu'il fait une véritable fixette sur l'empereur. Et il va alors se mettre en tête, ni plus ni moins, que de renverser Napoléon. Il va donc préparer un premier coup d'État. En 1808, il se rapproche d'anciens jacobins pour réfléchir à comment faire tomber Napoléon. Leur plan, qui restera d'ailleurs pratiquement même pour les autres tentatives, est assez simple. Profiter de l'absence de Napoléon parti en Espagne pour proclamer la République. Mais parmi ceux qui complotent aux côtés de Mallet, certains ne savent pas tenir leur langue. Leur conspiration s'ébruite et arrive aux oreilles de Louis-Nicolas Dubois, le préfet de police de Paris, qui fait arrêter Mallet et ses complices. Mais conscient qu'une telle affaire peut faire scandale, le complot de Mallet est étouffé, et ce dernier est simplement emprisonné à la prison de la Force à Paris. Loin d'être découragé, Mallet va tenter d'organiser un second coup d'État depuis sa cellule en 1809.
Le plan aurait été quasiment le même que pour le premier, attendre l'absence de Napoléon pour proclamer la République. Mais de nouveau, ça va échouer. Il va être changé de prison, puis Fouché, le ministre de la police, juste avant d'être remplacé par son successeur Savary, va faire transférer Mallet à la maison de santé du docteur Dubisson. Mallet est alors considéré comme un fou, obsédé par Napoléon, et cette maison de santé dans laquelle on le transfère est une sorte d'asile, où sont enfermées des personnes avec des problèmes mentaux, mais également des prisonniers politiques, considérés comme non dangereux. Les prisonniers sont certes surveillés, mais ils ne restent pas dans leur cellule, ils peuvent recevoir du monde autant qu'ils le souhaitent, et peuvent sortir quand ils le veulent prendre l'air. Ce nouveau lieu de détention va être l'endroit idéal pour Mallet pour préparer sa troisième conspiration. Il a enfin appris la leçon de ses premiers échecs, il faut mettre le moins de monde possible dans la confidence. À la maison de santé, il fait la rencontre d'autres s'opposant à Napoléon, notamment des membres des Chevaliers de la Foi, une société secrète cherchant à rétablir la monarchie. Ce qui prouverait que Mallet, pourtant républicain, était prêt à s'allier à des monarchistes du moment que Napoléon soit destitué. Et Mallet s'allie à l'un des membres des Chevaliers de la Foi, un homme qui va servir d'agent de liaison pour préparer ce coup d'état, l'abbé Lafont. Un ultra-royaliste qui s'était retrouvé enfermé pour avoir distribué des tracts anti-Napoléon. Pendant 2 ans, Mallet et Lafont vont préparer cette action qui semble pourtant perdue d'avance. Leur plan est presque identique que pour les autres coups d'État, à la différence près que cette fois-ci, ils vont tenter de faire croire à la mort de Napoléon. L'empereur est au même moment en Russie. La fausse nouvelle de sa mort mettra 15 jours à lui parvenir, et le temps qu'il donne signe de vie à Paris, c'est en tout un mois qui se sera écoulé. C'est, pour Mallet, suffisamment de temps pour faire tomber l'Empire. Pour que tout ce plan un peu farfelu aboutisse, Lafont va rédiger de faux Senatus Consultes, donc un texte rédigé par le Sénat impérial donnant lieu à la création d'un gouvernement provisoire. Une fois le plan mis au point, il ne reste plus qu'à attendre qu'une nouvelle occasion se présente. À un autre moment où l'empereur est suffisamment éloigné de Paris. Tout va se jouer dans la nuit du 22 au 23 octobre 1812. À 22h, Mallet et Lafont s'évadent sans difficulté de leur maison de santé et arrivent devant la caserne de Popincourt à 3h du matin. Arrivés devant la caserne, ils présentent leur faux Senatus Consulte et annoncent que Napoléon est mort le 7 octobre devant Moscou. Le commandant Soulier, qui dirige cette caserne, voit donc se présenter devant lui 2 hommes habillés en général de brigade, avec des papiers du Sénat. Alors, il va les croire. Il fait réunir ses hommes en pleine nuit dans la cour de la caserne, et Mallet convainc Soulier de lui confier la 10e cohorte de la garde nationale. Ensemble, ils marchent jusqu'à la prison de la Force, pour libérer 2 autres généraux, Guidal et Lahori, tous deux des opposants à Napoléon. Ils vont être chargés par Mallet de parcourir Paris pour mettre au fer les principaux dignitaires de l'Empire dans la capitale. La garde de Paris se joint à eux dans cette tâche, et pendant toute la nuit, ils vont arrêter entre autres le préfet de police Pasquier, Savary, le ministre de la police, ou encore Desmarets, chef de la sûreté. Mallet, Lafont et Soulier se rendent quant à eux à l'hôtel de ville pour annoncer la mort de l'empereur au préfet de la Seine Frochot, qui tombe lui aussi dans le panneau, et qui va même commencer à aménager une salle pour réunir le gouvernement provisoire. Frochot, mais aussi Clark, le ministre de la guerre, ou bien même Cambacérès, l'archi-chancelier, celui qui dirige pendant que Napoléon est en Russie, ils vont tous se faire avoir par Mallet. Jusque-là, tout se déroule comme prévu. Mallet réussit à duper tout le monde, et il sait que dans quelques heures, Paris sera à lui. Mais 2 événements vont survenir et qui vont faire voler en éclats ce coup d'état. Il est maintenant 9h du matin. Le soleil s'est levé sur Paris lorsque Mallet et ses hommes se rendent au domicile du général Hulin, le gouverneur de Paris. Ce dernier a de sérieux doutes lorsque Mallet lui tend le faux Senatus Consulte. Mallet est nerveux, il panique et finit par sortir son arme et tirer une balle dans la tête d'Hulin. Là, les soldats qui suivaient Mallet jusque-là sans broncher vont commencer à se poser des questions. L'homme qu'ils sont en train de suivre depuis maintenant plusieurs heures ne semble pas vraiment sain d'esprit. Et puis en plus de ça, Mallet a raté son tir. Hulin va survivre à ses blessures, avec une partie de la mâchoire arrachée, si bien qu'on lui donnera le surnom de Général Bouffe-la-Balle. Le doute commence à s'emparer des hommes de Mallet, mais pour ce dernier, il faut continuer. Ils font désormais route vers le bureau du colonel Doucet qui semble l'attendre. Car oui, Doucet ne marche pas, tout simplement car il connaît Mallet. Il a participé à sa condamnation en 1808, mais aussi il a connaissance de lettres de Napoléon écrites plusieurs jours après la date de sa supposée mort. Ce qui ne colle donc pas avec les tirs de Mallet. Il fait donc le rapprochement avec son passé de conspirateur et ce dernier est démasqué.
Mallet tente alors à nouveau d'ouvrir le feu, mais cette fois-ci, il est maîtrisé et arrêté. Le coup d'état de Mallet est terminé et n'aura duré que quelques heures. À la suite de ça, c'est la stupeur dans la capitale, la nouvelle de la mort de l'empereur commençant déjà à se répandre. Pourtant, à ce moment, Napoléon est bien vivant et ne se doute pas à un seul instant qu'une invraisemblable tentative de coup d'état vient d'avoir lieu contre lui. Sachant que ce dernier ne va pas tarder à apprendre la nouvelle, il faut faire vite et juger Mallet et ses complices le plus rapidement possible. Le seul moyen de montrer à l'empereur que la situation est bien en main, c'est de faire un procès rapide. Dès le 24 octobre, Mallet et ses soi-disant complices sont jugés par un conseil de guerre. Ce dernier assume totalement avoir voulu renverser Napoléon et assure avoir agi seul. Pourtant, Mallet, mais aussi une dizaine d'autres qui l'ont suivi, sont condamnés à mort. N'affichant aucun regret jusqu'au dernier moment, lui, Lahorie ou encore Guidal sont fusillés le 29 octobre 1812. D'autres comme Soulier vont suivre les jours suivants. Alors que tous ces gens condamnés ont suivi Mallet de bonne foi, ils n'ont pas trahi l'empereur puisqu'ils croyaient vraiment qu'il était mort à Moscou. Et le plus dingue, c'est que le seul vrai complice de Mallet, à savoir l'abbé Lafont, bah lui, il va jamais être inquiété. Lorsque Napoléon, sur la route de Smolensk, apprend finalement pour la tentative de coup d'état, nous sommes le 6 novembre, soit 15 jours après. Il décide d'abandonner son armée pour entrer en vitesse à Paris le 19 décembre. De retour après l'échec de la campagne de Russie et la terrible retraite qui s'en est suivie, il est furieux, mais aussi en proie au doute. On est alors à un tournant dans le règne de Napoléon, car déjà, il prend conscience de la faillibilité de ceux qui l'entourent, notamment Cambacérès, avec qui sa relation se brouille après cet événement. Et on peut comprendre son agacement. Voir à quel point ses ministres ont pu se faire berner par un homme tout juste évadé d'une maison de santé, bah, y a de quoi s'inquiéter. Mais le pire du pire pour Napoléon, eh bien, c'est que personne n'a pensé à son fils. Napoléon II, le roi de Rome, à ce moment-là, il n'a seulement qu'un an et demi, et il est en Italie. Mais personne ne pense au fait que Napoléon a créé une dynastie, qu'il a un héritier. Bonaparte comprend alors qu'il n'a pas réussi à imposer une nouvelle dynastie, comme au temps de l'Ancien Régime, et que, probablement, lorsqu'il mourra, son empire disparaîtra avec lui. Et ça, c'est pas terrible pour le moral. C'est d'ailleurs à ce moment, juste après la défaite de Russie, que ça marque le début de la fin pour l'Empire. Mallet a échoué alors qu'il était persuadé d'être promis à un grand destin, qu'il allait faire l'histoire. Bah, pas vraiment. Parce que même si son coup d'état avait duré plus longtemps, difficile à dire s'il aurait vraiment causé le retour de la République ou de la monarchie en France. Mallet va cependant devenir un héros à la fois pour les républicains mais aussi pour les royalistes, qui construiront différents mythes autour de sa personne, allant jusqu'à suggérer qu'il était membre d'une société secrète, les Philadelphes, ce qui n'a jamais pu être prouvé. Bon, vous l'aurez compris, la vie de Mallet, elle peut se résumer à « quand ça veut pas, ça veut pas ». Mais contrairement à l'idée qu'a tenté de véhiculer la propagande napoléonienne, Mallet n'était pas non plus un fou ou un illuminé. C'était un homme aigri, frustré, rongé par la haine après tant d'échecs à la fois personnels, politiques et militaires, persuadé qu'il méritait mieux, qui a néanmoins été suffisamment intelligent pour comprendre que les institutions et l'obéissance aveugle de ses dignitaires étaient le point faible de l'Empire. Merci d'avoir suivi cette vidéo, n'oubliez pas qu'elle était sponsorisée par Conflicts of Nation, rendez-vous en description pour obtenir 13 000 gold et un mois d'abonnement premium au jeu. N'oubliez pas de liker, de partager, de vous abonner, c'est un super soutien, d'aller me suivre sur Twitter ou encore Instagram, et moi je vous donne rendez-vous pour de prochains épisodes.